Bon, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Bah, dans le fond, on est allé skier avec le poteau Alex à Tremblant, puis je me suis dit qu'on allait tester des petits shots de GoPro, tu vois. J'ai récemment acheté un casque, ça me permet de la monter au sommet du casque, c'est génial. Donc bon, on va voir à quoi ça ressemble, c'est la première fois que je fais ça. Tu vois qu'on a étudié la carte un petit peu, on a regardé un petit peu où on voulait aller, et puis c'est parti, hein. Comme ça que ça se passe. Petite piste tranquille au début, tu vois, pour s'échauffer. Voilà, ça descend bien, le point of view demande à être un peu plus élargi quand même. Mais ça rend quelque chose d'intéressant, tu vois, un petit saut là qui fait plaisir. Là, il était en mode wide, ben, on la mettra en mode super view la prochaine fois parce que je pense qu'il faut. J'ai envie de voir un peu plus les skis, puis j'ai envie de voir un petit peu plus le paysage aussi. Tu vois que ça trace quand même plutôt papier. Puis là, par exemple, on voit majoritairement 90% de neige, c'est un peu dommage, mais voilà, tu vois, on agrandira ce qu'il faut. Et puis on entend bien le vent, tu vois. C'est toujours comme ça avec une GoPro quand tu fais des trucs d'action un petit peu. Voilà. Globalement, je sais pas ce que t'en penses, toi. J'espère que tu vas bien, en tout cas, que ta journée se passe de façon excellente, hein, et que tu kiffes. Et puis voilà, j'espère que t'as l'occasion d'aller skier aussi une fois de temps en temps si t'aimes ça toi aussi. Moi j'aime beaucoup, tu vois que ça va quand même relativement vite. La GoPro elle est, on va dire, flattering, tu vois, par rapport à la vitesse que je prends. Ou alors peut-être que je prends beaucoup plus de vitesse que j'ai l'impression quand je suis sur les skis, on ne saura pas. Voilà, tu vois, ça scanne les petits passes comme ça. Voilà, télésiège, on s'assoit, posé. Là on commence à étudier un petit peu la topographie du paysage. On regarde un petit peu, tu vois, là on s'est dit, ah, on est déjà passé par là par avant et tout. On avait déjà fait le petit dessous de télé qui est pas vraiment une piste mais qui est vraiment cool. Là on étudie ce petit passage qui s'appelle les boulots, c'est une piste où faut monter avec tes skis sur le dos pendant 5 minutes pour après redescendre derrière, c'est vraiment cool. Tu vois, comme ça on arrive rapidement en haut. C'est parti, tac tac tac. Du coup là on va exécuter la piste qu'on a discuté ensemble qu'on allait faire. Incroyable, c'est la piste qui part à droite là. Tu vas voir tout de suite sous le télésiège. J'ai eu des problèmes de recording avec la caméra, la batterie elle a pas duré extrêmement longtemps et puis j'ai eu d'autres problèmes techniques, tu vois, on passe en dessous comme ça. Donc j'ai pas filmé exactement tout ce que je voulais filmer malheureusement, mais du coup on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Donc là c'est les pistes fermées, c'est les meilleures parce qu'il y a personne qui skie dessus, du coup t'as encore de la bonne poudreuse qui fait vraiment plaisir. Ça on adore mon gars. On a fait majoritairement que des pistes fermées, hein. Au final c'est quand même ça qui est pas mal. L'inconvénient c'est qu'elles sont fermées parce qu'il n'y a qu'une couche de neige par-dessus les cailloux. Donc effectivement t'as tendance, si tu rentres un peu sous la poudreuse, j'ai des skis pas très larges tu peux remarquer, bah t'as tendance à râper les cailloux de façon assez fréquente, donc c'est vrai que je les ai ramenés dans un état pas très Charlie, on va pas se mentir. Mais bon ça se répare, hein. C'est des vieux skis dans tous les cas, donc y a pas de scrupules par rapport à ça. Et puis voilà, tu vois que ça descend dans la petite poudreuse, on a encore les petits vermifeuilles de Buisky qui dépassent, là c'est parfait, on aime beaucoup. Tu skis sur les plantes, hein, dans tous les cas ça fait pas mal à tes skis. C'est plus les rochers qu'il faut éviter quand tu peux les voir, mais majorité du temps tu les vois pas, donc ça prend un peu par surprise. Ah, c'est une petite piste tranquille, mais on aime bien, tu vois, c'est des belles sensations, c'est un beau petit paysage, la neige était excellente à cet endroit-là, vraiment belle poudreuse qui fait plaisir, qui a quasiment pas été touchée là. Donc bon, on descend tranquillou. Et puis là voilà, on arrive sur une petite phase sous le télésiège, donc c'est rigolo, les gens ils voient ça, y a personne qui skie dessus, toi tu passes comme un connard et tout, en mode t'es le seul sur la piste, ça fait trop plaisir, tu fais ta petite trace comme ça, regarde au milieu de la poudreuse. Ah là 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 là, ça c'est beau, ça on aime, c'est du beau ski, tu vois, c'est pas du ski extrême, tu descends pas K2 avec des skis, tu vois, mais en vrai tu t'amuses énormément et puis ça rend presque bien en vidéo, tu vois. Voilà, on a fait la fin de la piste, je me suis pris un petit sapin avec la GoPro. Ça, on l'avait déjà fait il y a 2 ans, tu vois. On avait fait une petite rando sur la petite colline que tu vois sur la droite. Bah, tout simplement, si tu remontes par ici à pied, tu te retrouves au-dessus d'un petit monticule sous le télésiège. Et après, tu peux redescendre dans un endroit unique, en fait, qui n'est pas une piste et qui est trop bien. Bref, et là, du coup, on a continué. C'était une piste aussi fermée. Pour le coup, elle était fermée. Celle-là, tu peux voir que la neige est dure, en fait. Ça roule sous les skis, là. Il n'y a pas du tout de plaisir. C'est vraiment, tu tasses comme ça le bas du dos. Ça avait pas été préparé quoi, c'était vraiment voilà, ça va se finir comme ça direct, donc moi je te dis tard plus.